Moi, c'est de nous toutes, moi, je fais que nous toutes informer. C'est encore une fois, on se retrouve aujourd'hui pour les conseils médicaux et familiaux. Et je dirais que c'est à moi de décider de parler avec nous. Nous parlons parler nous, d'une série de comment on peut préserver et comment on peut s'en sortir. Là, par exemple, où il y a un monde, entourage qui souffre d'un handicap. Nous, ouais, mes amis, en pile, mon avis, en pile, réalité que. Et qui pas parler, en pile situation que mon nous dépassé, en pile fois c'est l'apparence qui couvre en pile bagaille, la caille en pile individu qui a vécu. Mais moi, je veux faire nous connaître dans le monde médical là, il y a en pile pour nous prendre conscience, il y a une série de maladies qui existaient, il y a une série de problèmes qui existaient, il y a une série de handicaps qui existaient, que il faut de tout pour en faire, pour faire un monde. Ça veut dire quoi? Il faut de tout pour faire un monde. C'est-à-dire, ben, la vie est faite de haut et de bas. On ne peut pas tous être parfaits. Il faut parfois accepter la différence. Il faut parfois accepter sa situation, parfois financière, mentale, économique ou même familiale, qui est parfois difficile. Je dis à moi, envie de dire, non, pourquoi ça m'a choisi ce sujet ça? Parce que parfois, il y a un pile de monde qui a le droit de regarder le monde sous apparence, qui a souri tout le temps, ou à vivre tout le temps, mais qui pas connaît qui ça va endurer, qui pas connaît. C'est pas, c'est, parfois, c'est un choix que vous faites pour gérer une série de situations et accepter le fait que c'est des choses qui arrivent de la vie et on doit continuer à avancer. Le plus souvent, je dis à ça, me fait nous comprendre que. Il y a un monde entourage qui a un handicap, quel que soit l'handicap visuel, c'est-à-dire tout d'un coup, quand on mon nom, ouais, tout d'un coup, on a perdu la vue, c'est-à-dire que mon nom vient aveugle. L'autre handicap, nous, quand on dans la famille, nous, c'est parce que l'Alzheimer, les troubles de comportement, c'est-à-dire la démence, mon nom perdu toute mémoire, il pas connaît rien encore, il fait pipi, il fait caca, il fait tout bagaille sous lui, et puis, ou même qui famille, là, ou pas connaît que ça pour faire. L'autre handicap, nous parlons encore, c'est là par exemple, mon nom a toute capacité, tout mon a vécu bien. Tout d'un coup, mon nom lui-même, il fait un accident, soit il retrouve son fauteuil roulant, soit son lieu de l'hôpital, et ou même tout d'un coup, ou t'as vécu au normal bien, et ou pas connu que ça pour faire. Je dis à moi, retourner avec ce sujet ça, pour moi, dis-nous, c'est pas fini, parce que vous savez, je voyage beaucoup, je vois pas mal de choses et je dis toujours dans ma vie, je remercie le ciel de m'avoir donné l'opportunité de voir tout ce que je vois et d'apporter mon aide à tous ceux qui veulent sourire encore une fois. Sourire encore une fois, ça veut dire reprendre sa vie en main, accepter la situation. Et moi là pour m'aider nous comprendre qui ça qui est un handicap et qui j'en nous qu'a fait pour nous s'en sortir. Les par exemple, nous gagnons membres dans l'entourage, nous soit papa, nous soit maman, nous soit frère, nous soit soeur, nous soit mari, nous soit madame, nous soit petite, nous soit tout bagaille. Vie nous gagnons un problème dans la vie, nous subit un handicap et ou même on doit faire face à la situation. Ça. Est-ce qu'on doit abandonner maintenant? Il y a des gens qui ont prié bon Dieu pour que ça ne pas fermer le gel parce que laisser les gens mourir, c'est plus facile. Mais est-ce que nous pas qu'à choisir une façon pour nous aider les gens à vivre le peu de temps ou sinon toute sa vie avec son handicap et nous-mêmes aussi nous trouver un bonheur de recommencer une nouvelle vie? Dans le médical, on dit souvent l'annonce d'une pathologie, l'annonce d'un handicap. L'annonce de quelque chose de grave n'est pas la fin d'une vie, mais le début d'une nouvelle vie. Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le début d'une nouvelle vie. C'est-à-dire, tu vas te recréer, ok? Moi, t'es qu'on a marché, moi, t'es tout à fait, moi, j'ai machine, moi, tout bagaille, moi, ok, maman bien, papa bien, tout bagaille, ok. Tout d'un coup, il y aurait les, par exemple, pour moi qui a vécu dans un pays étranger, nous connaissons, nous grand monde la caillou, nous ensemble avec nous, parfois maman nous là, pas nous là. Donc, mon grand monde lui-même, il est tombé malade, il brille tout le bagage, il a fait caca sous lui, la pipi sous lui, c'est eux-mêmes qui peuvent faire tout le bagage pour lui. Qui ça qui arrive, il faut aller travailler, il faut avoir un petit monde pour occuper, et tout le bagage ça y est. Donc, on vient arriver dans une situation où tu as voulu, par exemple, pour nous disparaître, pour qu'on continue à vivre. Mais, nous connaissons souvent, on dit. Les gens qui ont un handicap, parfois, c'est eux-mêmes qui vivent plus longtemps que eux-mêmes qui n'ont rien. Parce que mon Dieu protège mon livre.
Donc, je dis à moi, t'as aimé partager ensemble avec nous une série de situations et de prendre en charge et comment continuer à épanouir et ou pour louer que des parfois famille abandonnée ou c'est parce que ou plein trop. C'est parce que souffrance là dans les yeux. Ou pour louer que en pile monde dans la vie, ça pas aimé ou monde souffrir. Imaginez même moi pas aimé ou monde souffrir. Si moi là pour mes dos et puis chaque jour c'est crier ou à crier ben moi. Et mais qui ça m'a fait ou a venir déstabiliser psychologiquement, mais obligé à fuir à peine. Il y a des parfois où on dit bon, non situation, les gens bon mon père monter là avec moi, mais pour que ça mon abandonné maintenant. Il y a des parfois c'est parce que mon ingrat, nous connaît tout le monde, il y a des parfois on te fréquenter nous pour intérêt, mais il y a des autres monde c'est parce que souffre ça tellement dur pour, il y a pas contre gens pour aider et puis y aller. Mais c'est au point courage à demain. D'accord? Ou annonce là, c'est difficile. Ou crier ou pleurer. Est-ce que chaque jour qu'elle fait pleurer? Est-ce que le fait que vous criez tous les jours, vous plaignez tous les jours, ça a aidé à vivre la situation? Non. Là, tu vas créer une nouvelle vie, une nouvelle chose pour t'aider à vivre la situation. Restez branchés. Donc, parlez-nous de comment pour s'en sortir, les, par exemple, une série de maladies qui arrivent dans la vie, ça, les, par exemple, une série de bagarres qui arrivent dans l'entourage, surtout. Comment, déjà, premièrement, imaginez ou gen yon moun lakay ou ki malade, ki gen yon handicap ou sinon ki gen yon maladie grave. Soit se paran, soit se yon petit, ou soit se yon proche ou men wap viv nan menm kalsam avek li, soit ou pa viv nan menm kalsam avek li. Nou konen tout moun ki perdu otonomi, li vin viv yon vi stresan. Se da di li pral dechaje tout stres maladi a sou do moun ki proche li yo. Se da di plou moun ki entoure li yo pozitiv, plou yo pral ede li viv maladi a partaje lansam avek li, nou pral wè moun sa lap evolue nan maladi la ou sinon lap vini mwen nuizib ke posibl. Prenon par exemple yon moun ki pa wè. Li pa wè, c'est-à-dire le fait que li pa wè, li chaque fois yon moun approche bon côté, li senti une sorte de vibration, c'est-à-dire moun ki aveugle. Donc moun nan li même soit gen parfois gen chien aveugle que yo mette en place pour ces deux moun ka sorti, mais que parfois moun sa li konvini parfois agressif, li konvini parfois méfiant parce que c'est normal li pa wè. Donc, soit vivre avec un monde qui est aveugle, faut aider le repérer. C'est-à-dire, gagner un droit à l'écoute chita d'habitude, nous qu'à aider le prendre main libre et pour la et marcher qu'un bémien jusqu'à ce que l'y avance et l'y prend habitude côté l'écoute chita, la vune chita là tous les jours. Donc, la commencer une sorte d'autonomie. Les gens, par exemple, les parents, ils besoin de toilette. Plus on fait on pas, c'est-à-dire on commence vers la droite, on dit toilette là c'est vers la droite, aller tout au fond du couloir. On montre le on pas accompagner à plusieurs fois, là vient pas autonomie non les là kembe mien, là pour aller dans toilette là, donc ça vient faire moins de charge parce que cerveau le pral enregistrer une série de bagages. Mais ça qui est important dans le handicap, c'est la propreté. On va expliquer nous comment la propreté et la tranquillité, c'est ça qui va aider à vivre avec un monde proche ou qui a une maladie grave, quel que soit c'est le sida, quel que soit la pathologie, quel que soit la situation, il faut nous accepter. Si nous montrer mon nan nous rejeter, nous montrer la souffrance là, les sentir dans nous-mêmes, et bien plus la dégrader et que parfois l'homme mon a dégradé, ça ne veut pas dire que l'a mourir. C'est-à-dire monde ça il va le faire de voyage aller-retour à l'hôpital, les arriver dans l'hôpital là qui ça va le passer. C'est-à-dire va trouver tranquillité pendant quelques jours parce qu'il n'y a pas dormi, la paix que le pas joué dans le cas là, il n'y a médicament, il n'y a traitement, il n'y a pas manger, il n'y a pas de lit, donc il n'y a pas guéri après l'entrée dans le cas là encore. L'élrivé, c'est-à-dire si l'environnement ne sentit pas en sécurité, il a recommencé à avoir mal, donc il a pris l'hôpital, donc comme nous connaissons l'hôpital, si il n'y a pas un problème de santé grave, donc il n'y a pas qu'à mourir comme ça pour certaines familles. Parfois vle débarrasser de proches là parce que les ou elle a souffri parce que yo pa gen cœur pour yo elle souffri parce que situation fin difficile pour yo parce que yo pa gen monde qui pour aider yo. Donc c'est de ça n'a parlé non plus nous pour aller après mon pas expliquer nous un bagage qui les ALD dans le médical, c'est-à-dire pour c'est une prise en charge de c'est-à-dire c'est quelles sont les différences de type d'ALD, c'est-à-dire une infection longue durée.
ALD, ça signifie infection de longue durée et d'une maladie. C'est-à-dire, l'ALD est prise en charge par la sécurité sociale et par certains mutuels. On va parler d'une série de maladies si on va vivre dans un pays étranger ou sinon si on va vivre dans une série de pays qui gagne aide pour yo, l'État baou pour qu'a aider vivre ensemble avec handicap mon pour qu'a aider évoluer. Comme on dit, non, il n'est pas facile de vivre avec une personne handicapée. Ou sinon, il n'est pas facile de vivre avec une maladie grave, qu'on doit prendre des médicaments tous les jours, qu'on a des rendez-vous tous les jours. Il n'est pas facile de vivre avec un parent qui perd la tête. Il n'est pas facile de vivre avec une personne agressive dans une maison, c'est-à-dire une personne qui on n'arrive plus, qui boit de l'alcool, qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Donc, on doit se préserver. On doit se préserver en prenant des décisions ce qu'il faut. Parfois, il y a des centres que tu ou qu'à mettre mon nom ou gain côté ou qu'à faire mon hospitaliser le temps que le désintoxique colle ou qu'à prendre décision ou qu'à aider mon prendre décision ou pas là pour survivre. Tout bagaille parce que au nom de la famille, au nom parce qu'on remet, parce que au nom parce que c'est petit tout, parce que situation ou même seul ou pas qu'à gérer là. Donc franchement la vérité et moi pas qu'à cacher dit nous si moi choisis ce sujet ça c'est parce que moi j'ai mon proche qui a un handicap. Moi j'ai mon proche qui a un handicap comme moi même en médical, moi toujours souvent et entre les deux c'est premier mon relé dans famille si j'ai un problème c'est moi. Donc qui fait que moi j'ai en pile responsabilité et qui fait me s'en sortir parfois oui de par mon métier dans le médical parce que moi en pile bagarre devant eux mais c'est de la part que j'ai accepté des situations m'accepter les tout bagarre rose m'accepter quand tout va bien m'accepter aussi que la vie est faite d'euros et de bas que nous pas qu'à seulement habiller danser fait bagaille et pour femme prendre nèg tous les jours c'est ça qui la vie jour et monde faut nous préparer l'avenir accepter la situation et faire économie les bagailles tomber par exemple si nous ou ka gen ou gros ventre madame ou gros ventre l'attend un petit monde qui ça qui rivé tout d'un coup ben petit monde sont attend dans son autre petit monde qui rivé avec un handicap avec un problème que gagnon là-dedans nous qui doit quitter travail nous pour nous occuper des petits monde ou sinon c'est mari nous madame nous ou sinon c'est maman nous quand dans cas là nous pas gagne monde dans pays étranger faut nous rester travail pour nous aider parce que pas gain aide bagay sa yo ça vient faire si nous pas qu'on fait économie si nous qu'on a dépensé l'argent n'importe comment et ben nous vinn rive dans situation que situation grave parce que nous pas arrivé gérer ça. Donc nous là nous va parler de ALD, c'est-à-dire d'une série de maladies, infections, des maladies de longue durée. On va expliquer une série de maladies qui rentrent en compte que l'état est des moun, les par exemple ou gain. Nous va parler nous de quel type de ALD, restez branchés. Donc, on a parlé nous de ALD, c'est-à-dire que on a parlé de handicap, comme on dit nous, on a continué, on dit nous, on a parlé de ça, il y a ALD. ALD, comme on dit nous, c'est une affection longue durée. Il y a ALD, c'est une maladie chronique à caractère grave qui peuvent être exonérantes, c'est-à-dire prises en charge à 100% par l'assurance maladie. En effet, les soins relatifs au traitement de l'ALD sont généralement très coûteux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ALD? C'est-à-dire, quand on classe quelqu'un en ALD, nous parlons d'une série de maladies qui l'État prend en charge, c'est-à-dire la sécurité sociale pour les pays qui ont la sécurité sociale, c'est-à-dire c'est l'assurance maladie, c'est-à-dire c'est leur travail, ils ont versé une aide pour nos assurances sociales maladie, qui par exemple conseille de handicap, conseille de maladie ou gagnant, c'est pas que leur handicapé, c'est-à-dire que ou qu'a fait un médecin examiné, donc les voyer documents auprès de la sécurité sociale si la maladie a le duré longtemps, c'est-à-dire il y aurait les ALD, une maladie qui pas guéri, qui définitif, c'est-à-dire autour pendant toute la vie ou pral continuer à vivre avec maladie ça. Vous comprenez ça, il y aurait les ALD, c'est-à-dire maladie ça puisque il coûte très cher, c'est-à-dire il est très exonérant comme on dit en français. Donc et ça coûte très cher ou même pendant toute la vie ou pas qu'à payer en série de soins médicaux qui ça qui rivait mais l'État mettait une sorte de assurance, c'est-à-dire pour tout le monde qui souffre de maladie ça yo, yo les ALDA pour que les à l'hôpital, les à une série de soins, les aller par exemple dans kiné, les aller dans thérapie, les aller chez l'orthophoniste, là il y a une série de
et ergothérapeute, les par exemple mon lui-même il a Alzheimer, qui ça qui les mon lui-même il a Alzheimer et grand moun yo par exemple qui oublie mémoire, yo gade parfois yo besoin yon orthophoniste, yon ergothérapeute qui pral aider yo écrit non yo, orthophoniste là pral présenter yon série de photos qui pral rappeler yo toute famille yo pour si moun nan ka retrouver mémoire. C'est-à-dire, on parle d'Alzheimer, de la démence, c'est les, par exemple, ou perdu mémoire. Les, par exemple, oublier une série de bagages, oublier ce qui moun ki mari ou, oublier même non, petit tout. Les très tristes, les très douloureux, les, par exemple, ou à vivre ensemble avec yon moun parenté, les perdu mémoire. C'est pareil, les, par exemple, moun nan li même li gen handicap, les perdu toute autonomie, donc les vini yon charge, comme nous disons en Haïti, yon fardeau, mais moi-même, moi pas le mot fardeau ça. Moi pas le mot fardeau ça parce que, ok, moi rencontré un monde dans la vie, quel que soit, c'est Marim, c'est Madame, moi, c'est Sem, c'est Sit, il était en forme. Il était en forme, en maladie, fin révèle, qu'on est assez, moi-même, bon Dieu, la possibilité pour me debout, m'occuper de lui, moi pas prendre le long fardeau. Moi pas prendre le long fardeau parce que, pour qui ça, parce que moi dis nous, nous par contre, qui ça demain à pied pour nous. Il est parfois, si bon Dieu, bon, je toujours dis souvent, et moi-même, j'ai un collègue qui te dit souvent, Véti, bon, Dieu protège les orphelins. Les mêmes les pas de maman, les pas de papa. Depuis le petit, parents mourir dans un accident de voiture, qui ça qui arrivait, il venait tout seul en tant que jeune fille, il venait marier, il fait tout monde, il tout seul, il pas de famille parce que c'était seule petite maman qui était gagnant. Donc la vie sans famille, monde qui vient famille, c'est Maril, c'est petite li. Eh bien, il toujours dit mon bagaille, Dieu protège les personnes handicapées et les orphelins. Donc si par exemple bon Dieu bon grâce pour occuper yo moun nan entourage qui a un handicap, qui a une démence, qui a un problème grave, gade parfois faut nous pas prendre pour un fardeau. C'est parce que c'est peut-être ou même destiné ou t'es fait. C'est parce que ou gen courage bon Dieu mettez le sous chemin pour ka aider moun nan. Prend li en tant que une sorte d'aide. Mais pendant ce temps m'a dire ça, c'est pour cette raison pour parler nous de ALD, maladie de longue durée, c'est-à-dire mais li pa doué. Et dans le sens que les vini ont problème pour mon an tout bagaille li pa vle faire effort c'est ou même par exemple pour sortir ou dépasser là tu dois te préserver ou pral préserver comment parce que ou pral faire marcher les assurances ou pral faire marcher famille ou pral mande de aide ou pral frapper à toutes les portes pour sortir de cette situation. OK, parce que ou ka wè moun nan ki a gen handicap la, moun nan ki malade la, moun nan ki gen problème nan, c'est ou même k ap soufri. Par exemple, les par exemple sorti ensemble avec un monde k ap batou chaque jour. La psychologiquement et mentalement, la batou, c'est-à-dire la jour, la dou gros mot, c'est-à-dire moun nan li même li pa gen rien parce que c'est pas li même k ap recevoir tout ça la faire yo. Donc, ou vin rive nan moment, c'est ou même ou ka wè mouri avant même moun sa ki gen problème nan. Donc, li important pour préserver de la situation, c'est-à-dire demander de l'aide. S'il faut venir une assistante sociale, il faut l'appeler. S'il faut demander de l'aide à la famille, il faut dire oh, voilà, ben c'est sème, c'est frère, c'est cousin, nous toutes deux là pour lui. OK, son petite, ben moi pas faire petite là pour compte moi, et ben maman là, papa là, nous toutes deux là pour lui, ma tante là, nous toutes deux là pour lui. Bay moun yo responsabilité yo. Plus c'est ou même qui plus gentil, plus c'est ou même qui plus attentif, plus c'est ou même il a plagué tout fardeau à sou. OK? Noé par exemple, on connaît juste en Haïti, on moun malade, yo connaît ou même ou nan pays étranger, c'est ou même qui ka ba aide financière, pa gen moun nan pays a qui pral ba moun nan premier soin, premier moun yo relè c'est moun nan pays étranger a. Voilà que ça qui gagne, voilà que ça qui gagne, mais l'étape mieux pendant ce temps en Haïti, moun nan li malade nan mon en Haïti, ou getan cherche sou tap fon ti commerce, sou tap dégage ou mené moun nan l'hôpital ou bal premier soin pendant l'hôpital là pour nous relè moun nan pays étranger a. Mais ça me fait oui, et tel t'es malade, mené l'hôpital, qui ça n'a fait, mais sa docteur dit donc moun nan pays étranger a li getan konnen li content, li getan soulagé, li pral anvoye aide financière pour moun nan ka pran soin. Mais si je suis juste dans un pays étranger, je suis juste en Europe, quelqu'un m'appelle pour me dire, voilà, il y a telle personne qui a un problème, il y a telle personne qui a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voulait me dire? Est-ce que je peux avoir mon soin, je peux ramener ça si je suis prêt? La première chose à faire, c'est de ramener la personne aux urgences, c'est demander de l'aide au voisinage, de voir comment on peut aider la personne. Et après, on enchaîne les processus d'aide à domicile, d'aide économique, d'aide familiale.
OK? Donc, plus ou gentil, plus, c'est-à-dire, sujet à, c'est si vous avez une famille ou, hein, qui a un handicap ou un petit tout, ou sinon une maladie grave, vous devez supporter, il faut te préserver. D'accord? Il faut te préserver, c'est ce qu'on dit souvent aux familles, il faut se préserver, c'est-à-dire, faire marcher des droits, hein, des droits que vous avez. Donc, on a terminé pour nous parler avec les maladies qui sont prises en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire qui coto calé, par exemple, sur un pays étranger, et puis il y a une association d'aide, hein, si par exemple, il y a un monde en Haïti même, tu as un problème grave, on sait de maladie, ou tu as fait fonds d'opération, il y a un site internet, il y a une diaspora, il y a un site de tous côtés qui parfois peuvent aider les gens, des associations, la Croix-Rouge française, tout ça est sous place dans tout pays, même en Afrique. Quand nous cherchons, depuis nous, on côté marqué la Croix-Rouge, nous entrons là-dedans, qui ou ses familles, dis-moi, les gens malades, je ne sais pas me faire un mot, aider, n'a pas trouvé une solution, pas arrêter la caille, nous, soit d'amener les gens seulement avec une maladie mystique, caille, bon, comme mettre vieux bagages sous lui. Parfois, on a pensé sur le monde qui a mangé, et pourtant, c'est des choses qui font partie de la vie, c'est une série de maladies qui existent. Donc, n'importe quoi, mais tout de suite, moi, de nous, affection de longue durée maladie, c'est-à-dire ALD. L'ALD exonère en distinct trois types d'affection longue durée. Nous, du ALD, elle est inscrite sur la liste établie par le ministère de la Santé. C'est la liste des ALD. 30, ce sont les ALD les plus courants et souvent les plus coûteux. On retrouve parmi elles l'AVC. Parmi maladies qui fait partie de l'ALD, l'ALD moins dur, c'est affection de longue durée et de maladie, c'est-à-dire ces maladies que l'État prend en charge dans un pays étranger, les par exemple pour gagner, c'est-à-dire si famille ou gagne maladie ça yo, faut déclarer pour l'État et d'eau. OK, pour pas subir ou même seulement dans dépenses dans une série de bagaille. Lorsqu'il y a un petit monde qui gagne un trouble, quel que soit trouble de langage, donc trouble à la marche, trouble d'apprentissage, que parfois nous connaissons ti moun nan, li gen problème pour l'écrire bien, nous on a battu ti moun nan nan tête, on a battu partout, on a dit oui ou sort, peut-être c'est parce que ti moun nan gen trouble d'éducation, li gen un trouble retard mental qui permet li pa ka apprendre. Donc dans ce cas-là, il faut déclarer ti moun nan comme en sorte pour médecin évaluer pour voir c'est pas un DSI, c'est pas un début d'autiste, c'est-à-dire c'est pas un autiste ti moun nan gen, c'est pas un trouble mental, c'est pas un problème cerveau li gen qui fait le pa ka apprendre à l'école pour yo mettre en place l'orthophoniste, l'ergothérapeute et tous les aides nécessaires qui pourraient aider ti moun nan faire retrouver mémoire pour apprendre à écrire et mémoriser. Nous disons on trouve parmi l'ALD l'AVC. C'est-à-dire maladie ça c'est l'accident vasculaire cérébral depuis on mon enfant mi ou gagne li prend en charge à 100% par l'État. L'État responsable de moun nan parce que li fait partie de maladie que moun pa guéri facilement. Et nous prenons aussi le diabète. Le diabète, on nous connaît, diabète là, il pas mon nom, il difficile pour un monde diabétique pour retourner à la normale. Et là, par exemple, c'est pas un bagage qui guérit souvent, sauf si c'est un diabète gestationnel, c'est-à-dire c'est un diabète que mon nom a fait dans la grossesse, pendant tes gros ventes, et bien après, si mon nom a fini à coucher, le diabète là, a vie normale. Donc, ça fait partie de maladie ALD, c'est-à-dire une maladie chronique, une maladie qui peut rester à vie. Nous prenons aussi l'insuffisance cardiaque grave. Là, par exemple, pour un problème cardiaque, nous prenons par exemple la tuberculose. La tuberculose, c'est-à-dire, nous relais à LDA aussi, c'est une série de maladies qui a duré dans les années. Nous connaissons, mais peut-être les cavines stables, les cavines changées. Mais quand même, l'État prend à 100% jusqu'à ce que nous en mourir parce que ça fait partie de la liste des 30 pathologies ou même plus que qui ne peuvent pas guérison facilement. Nous prenons les affections neurologiques et psychiatriques graves, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes troubles mentaux, les par exemple les agressifs, les alcooliques, les par exemple les pas vivre en société, les gens malheureusement les beaux garçons, les belles femmes, mais ils ont des problèmes psychiatriques. C'est-à-dire les pas vivre avec nègre, tout le monde raille, il toujours un problème ou beau essayer aider, il toujours un problème, ça s'appelle mon un problème neurologique, c'est-à-dire neurone qui a un problème, là il doit suivre par un psychiatre pour stabiliser mental li. Donc mon ça il te met ou te met te fait toute bagarre avec pour heureux, il pas chame, il a toujours retourné dans misère, il a toujours dans agression, il a toujours dans série de bagarre. Donc ça fait partie de troubles neurologiques et psychiatriques graves. Nous prenons par exemple le cancer.
Et c'est tout ça, nous relais par exemple, on nous prend aussi l'hypertension artérielle. Tout ça, c'est maladie qui fait partie de maladies qui prend en charge par l'État et qui remboursée à 100% par l'État. Nous prenons les affections hors liste. ALD 31, nous relais, ce sont les formes évolutives ou invalidantes des maladies graves nécessitant un traitement d'une durée supérieure à 6 mois. C'est-à-dire, souvent maladie ou bien l'asthme, l'embolie pulmonaire répétitif ou encore l'ulcère chronique font partie des affections hors liste. Des pathologies peuvent aussi être prises en charge à 100% de la sécurité sociale. Donc, nous disons aussi, par exemple, ou gagnant, par exemple, une maladie qui dirait ça fait 6 mois non traitement, ouais, par exemple, ou pas guéri facilement, ou parfois, ou gagne grippe là, ou gagne l'asthme, qui pas arrivé bien à respirer, parfois, faut gagner un petit appareil pour la ventoline, pour le cas bien respirer. Donc, ça fait partie d'une prise en charge qui peut être faite en ALD à courte durée, mais avec évolution de par rapport de la part de médecins. Nous parlons aussi de les polypathologies. Certains patients peuvent être atteints d'affections multiples, nécessitant un traitement lourd et long. Ces maladies peuvent être invalidantes, ainsi un patient souffrant d'hypertension, de diabète ou de cholestérol peuvent être considérés comme souffrance d'une ALD. C'est-à-dire si par exemple nous connaissons, comme on dit, le diabète qui est simple par exemple par grossesse gestationnelle, leur grossesse là, ils retirent le sucre dans le corps, ils retirent un paquet de bagages parce qu'ils font diabète gestationnel. Et si par exemple, si vous avez fait une fête ou toujours un diabète là, ils sont pris en charge par le ALD parce qu'ils ont contrôlé là. Donc, nous relais aussi conseils de ALD qui ne sont pas pris en charge. Par exemple, certaines affections longue durée sont dites non exonérantes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le bagage. Bon, il y a des maladies, ils prennent en charge, mais il y a des médicaments pour le payer. Il y a des aides au papa. Ça dépend qui degré maladie a touché. Donc, on voit des gens, par exemple, qui fait l'hypertension artérielle, ils sont souvent essoufflés, mais ils sont pas gravissimes. C'est-à-dire, ils sont pas graves. Comme il y a des personnes qui, par exemple, qui ont un diabète de type 1, ils sont pas vraiment graves. C'est un contrôle régime alimentaire. Diabète là, ils sont pas sous insuline. Donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a parfois, ils ne pas prendre en charge à 100% conseil de médicaments, ils faut rembourser yo, parce que maladie n'est pas considérée comme grave, mais on fait partie de monde quand même. Qui fait la liste de patients en ALD, c'est-à-dire d'une infection de longue durée de maladie, c'est-à-dire une maladie qui n'a pas de traitement, mais qui parfois n'est pas exonérée. Les pas exonérée, c'est-à-dire que ça dépend de stade maladie, de gravité maladie. Nous parlons aussi, nous disons de plus de 6 mois, mais le patient n'est pas pris en charge à 100%, c'est ça, moi, tout dit. Nous, là, par l'assurance, dans le cadre de ces soins. Et donc, les principales ALD non exonérants sont, c'est-à-dire ça, moi t'ai dit nous t'allais, nous t'ai parlé de maladies comme l'AVC, le diabète de type grave, l'hypertension artérielle, le cancer, les maladies du cœur, tout ça, ils prennent en charge à 100%, mais il y a des maladies qui ne prennent pas en charge à 100%, comme par exemple le glaucome, l'arthrose, l'hyperthyroïdie, l'épilepsie. D'accord, tout ça, c'est pas maladie que bon, yo pas prend, yo reconnaître les temps son maladie longue durée ou pas ka guéri, mais ou sous à l'achat médicament comme gen maladie par exemple, ou gen diabète grave là, yo ka rembou l'état, ka rembou soit ou pas payer rien, les ou gen un cancer l'état ou faut pas payer rien, mais par exemple sous gen l'arthrose, c'est-à-dire là gen l'arthrose, qui c'est l'arthrose là et nous pas faire émission sur ça l'autre jour et c'est là par exemple ou gen tout corps a fort mal, mon normal partout, nous ouais ça qu'on arrive dans certaines l'âge et ben maladie ça fait partie de la vie de vieillissement donc il pas prendre en charge à 100% yo ka rembourser peut-être 30% soit acheter médicaments pour 50 euros et ben yo ka rembourser que 30 euros et puis 20 euros à aller sortir dans par jour. Le patient souffrant d'une ALD non exonérante doit respecter le parcours de soins coordonnés. Si par exemple il voulait que yo rembourser le maximum de ses soins par l'assurance maladie, il doit par exemple continuer à aller chez le docteur souvent tous les 3-4 mois pour évaluer la situation. Qui ça qui fait une maladie paraître grave? Pour que ça, parfois, c'est parce que nous ne prenons pas la maladie à temps. Comme nous n'avons pas le nom de handicap,
Il y a un handicap, bon, nous ne pouvons pas parler de handicap pour le monde qui peut sortir de l'arrière, aller faire un accident moto, si dans la machine, puis le couper, mais le couper, ça fait un handicap, accident de la vie courante. Mais il y a un monde, par exemple, qui a eu un début d'hypertension, ou sentir souvent essoufflé, et pour là, ou pense que c'est stress, c'est le monde qui a fait mal, ou pense que c'est parce que le partenaire a un problème, et pourtant toujours essoufflé, ou doit consulter. Ok, y a un monde par exemple qui toujours encombré ou pas jamais passé 2 mois ou pas tousser ou pas gain ou surtout pas bien respirer, ça s'appelle un début de l'asthme ou commencer un problème d'asthmatique. Donc ou doit consulter rapidement puis on mettre une sorte de prise en charge, soit la Ventoline qui va te permettre de mieux respirer avant que ça commence bon problème, les quand même conduire avec un AVC. Après on a dit comme ça que ben, c'est un monde qui a fait mal, c'est parce que tu n'avais pas pris les choses à temps. Donc, l'important pour nous courir avant courir. Et puis après ça, moi, pas l'expliquer. Nous, pas nous, on sait de petits conseils comment ou qu'à aider famille ou aller mieux et continuer à vivre après y a un handicap ou y a une maladie grave que y a annoncé dans la famille. Et nous disons comme ça, le patient LD-NOIL-SNRN qui est en arrêt de travail prolongé peut percevoir ses indemnités journalières pendant 3 ans. C'est-à-dire, il y a un monde, il faut nous connaître ça, qui, par exemple, et grand pile monde, c'est vrai, les maladies. Par exemple, si non foyer, tu as deux couples qui travaillent, tu as un ado qui vient tomber malade, faut nous connaître que, après, ça dépend de quelques pays, mon lui-même, l'État, surtout en Europe, l'État pour indemniser mon la percevoir l'argent de salaire pendant 3 ans, le temps que. Et yon lot, yon lot, li vini gen yon lot moyen ke li gen la chan. Se ta di ou pa prete pou kontou, ok? Se ta di problem moun nan, se ta di problem patenè la. Parfwa, li ou nou kon di, mes amis, si moun nan malade ki jen pa fè fon bekay, se moun pa pon tout baka yon chaj nan, gen de parfwa, si moun nan tap travay, fò konen ke salè moun nan, kòp moun nan tap touche ya, patron an, sütou an Europe, et la sécurité sociale pour le verser indemnité journalière, c'est-à-dire tout ça qu'on touche chaque jour, la continuer gain pendant 3 ans. Si maladie a pas évolutif, là, il pourra le passer par une sorte d'aide sur l'autre. Qu'est-ce qu'il pourra le payer? Mais on a toujours gain l'argent qui a entré, c'est-à-dire on n'a pas pu compter à 100%. Donc, par rapport à soins, on a aussi, si je parle de ALD, ça, c'est-à-dire de prise en charge de pathologies graves, quel que soit l'handicap, le cancer, le sida, tout problème ou gain, c'est-à-dire pour que famille soit soulagée, il faut nous frapper à la bonne porte. Regardez parfois, il y a des gens qui peuvent aider nous. Il faut nous frapper à la bonne porte pour nous joindre toute aide. Ça va permettre nous aide à domicile. Ça va permettre nous aide, par exemple, infirmière. Mais pour y être, nous pas assez. Nous avons une assistance pour nous capoter zèle. Bah, il est différent de l'autre monde en dans pays d'Haïti. États-Unis, au carré, Sœur Janine, 786-317-6550. Si vous voulez faire ça en ligne, vous pouvez aller dans www.radifinc.org ou bien vous capable utiliser zèle. D-O-U-C-E. 96@gmail.com. Pour toute information, 509-419-45-079. Pour parler à Sœur Cocode, dis-le qui j'en ai aidé. Ou capable de faire une donation online également. Zelle. DOUCE96@gmail.com. Pour toute autre information, contactez Radif na RadifFoundation@gmail.com. www.radifinc.org. N'attendons. Nous besoin. Vine rentrer dans le banan pour nous faire une autre Haïti.